white guys is trapped up on the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidgets, fidgets. Chers amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Conversation. Alors, elle a lieu, effectivement, elle est diffusée tous les jeudis soirs, comme vous le savez déjà, à 20h45. Elle est rediffusée à 23h08. Et vous pouvez, si vous l'avez ratée ou que vous voulez faire des amis la voir, il y a une rediffusion encore le vendredi matin à 9h. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis très entourée aujourd'hui. Il y a beaucoup d'invités. Alors, je reçois le révérend pasteur Jean Valentine. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois le pasteur Laugin. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois un prédicateur, M. Pépin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a monsieur le pasteur Franck Pépin qui est en coulisses aussi, alors, mais qui est présent sur le plateau en tout cas. Je reçois monsieur Mondésir Willy. Bonsoir. Qui est également prédicateur. Bienvenue à tous. Alors, vous avez Madame Monique qui m'a contactée pour une manifestation. Et donc, c'est avec plaisir que je vous reçois sur le plateau ce soir pour qu'on puisse en parler. Alors, tout d'abord, pour les téléspectateurs, c'est une manifestation qui est organisée par la messe. Tout à fait, oui. Organisation organisée par la messe qui est l'association Martinique Entraide Solitaire. Association créée dans le cadre qui fait suite à notre courant de pensée de la façon que nous nous, vraiment que nous sommes à notre Seigneur, que nous portons, qui vient en aide aux gens que nous côtoyons, les plus défavorisés, les plus délaissés, les plus démunis, ceux qui méritent d'un soutien. Soutien, certes, spirituel, mais soutien également de tout ordre, de tout social, ordre. Financier, et puis le rôle de la messe encore, qui est donc de cap et d'ampleur, c'est aider nos compatriotes dans leur démarche, parce que beaucoup sont délaissés, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont des avantages, ils ont des choses, ils ont des droits, et puis ils délaissent complètement, ils ne savent pas. Et ce que nous faisons en ce moment, vraiment, la servante Monique peut donc en parler, elle est débordée, c'est des appels sans cesse. Et puis, donc des gens qui arrivent en disant « Oui, mais j'ai appris que j'ai droit à telle chose et puis je n'ai rien fait. » Mais ne sais pas comment faire, surtout. 10 ans, alors, on vient à eux, on les accompagne. D'accord. Et puis, on fait tout, ceux qui n'ont pas de papier, à les accompagner, à offrir les papiers, à une prise en main, et puis voilà, pour avancer. Voilà. Et depuis quand existe cette association? Et association à Metz était déjà là, mettons, 3 ans, 4 ans, mais nous avons mis les choses vraiment en forme. Ça a fait grosso modo 2 ans. Donc un peu avant le Covid. Bien avant le Covid, justement, c'est par rapport au Covid que nous sommes lancés, donc à dire que nous avons quand même un peu de recul, et puis nous avons un peu de temps, et puis on va s'investir encore plus pour nos frères, voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes le fondateur de la messe. C'est ce qu'elle me dit, mais c'est dans un commun accord nous avons avec la servante Monique Martaille, que nous avons dit pourquoi ne pas faire quelque chose de bien. Donc elle m'a dit oui, mais lorsqu'on voit les gens qui viennent à l'église pour demander, ils n'ont rien et puis il faut les porter, pourquoi pas créer une épicerie solidaire, pourquoi pas créer telle chose. Et puis il dit bon, mais voilà, de surcroît, et puis d'un coup de tête, tac. Nous avons créé la messe, association Martinique d'entraide solidaire, voilà. Ok, donc en fait, il y a l'épicerie solidaire, il y a l'aide à remplir des documents, si on veut faire des démarches, des choses comme ça. Oui, et pour les services administratifs, et même encore ce qui arrive, nous essayons de faire avec, je dis bien, avec les moyens du bord. Oui, c'est clair. Nous essayons avec ce que nous avons pour assister les gens, lorsque nous voyons certains qui n'ont pas, donc qui méritent parfois des photos et ils n'ont rien, ou bien un timbre. Alors nous disons, bon, ben, nous allons faire un petit effort pour les emmener à cela, mais pas d'argent. On les accompagne en toutes choses. D'accord. À acheter les timbres, à faire les photos, à les emmener, afin qu'ils puissent ouvrir. D'accord. Ah oui. Ok. Le pasteur Laugin, vous venez de la commune du Gourmand.
J'exerce mon ministère dans la commune de Saint-Joseph. Voilà. Ah, de Saint-Joseph. Je suis de Fort-de-France. D'accord. Alors, vous représentez quoi, le groupe musical? Donc, je représente le groupe de louanges avec évangélisation BDK. C'est un groupe Brigade de Kiosques. Donc, c'est un groupe d'évangélisation. Donc, on parcourt les rues de la Martinique pour pouvoir faire de la louange et aussi porter l'évangile. D'accord. Voilà, donc, l'évangile. C'est un groupe musical qui est placé sur un camion, c'est ça? Pour le moment, on ne le fait pas sur le camion. On va le faire justement le jour de la manifestation. On sera sur le camion. D'accord. Mais d'habitude, on le fait librement sur les places publiques. Voilà, donc nous avons le tambour, le chacha, les petits bois, tout cela. Alors, quels sont les endroits où vous êtes déjà produits? On est déjà allé pas mal d'endroits. Donc Saint-Joseph, Gaumont, Basse-Pointe, on a déjà sillonné pas mal de communes. Et puis voilà, donc l'évangile est prêché aussi. À travers ce groupe-là. Et puis, les âmes sont bénies, ils entendent la parole de Dieu. Et puis, Jésus-Christ est glorifié à travers ce ministère d'évangélisation par le chant, par la louange et puis par le tambour, tout cela. D'accord. Voilà. Alors, le pasteur Franck Pépin, il est président de l'association Tambour Chef Bondier du Morne-Rouge. Mmh. Et son frère, qui est présent Dominique. À côté de moi, le prénom c'est Dominique Pépin. Tous les deux, vous êtes rentrés au même moment dans le domaine de la spiritualité? On a été touchés. Disons, mon frère a été touché avant moi. Jésus l'a appelé avant. Mm-hmm. Et puis, ce me faisant, l'année d'après, le Seigneur m'a appelé. D'accord. Et après, j'ai eu cette vision de faire, de créer ce groupe, Tambourtier Bondier. Et puis... Donc c'est pareil, c'est un groupe de... Il y a des musiciens qui chantent. Oui, il y a des musiciens. On a trois tambours, chacha, petit bois, comme il dit. Puis il y a la voix. D'accord. Et puis on a fait un bout de chemin justement avec Willy, Thierry. Ah bah oui, monsieur. Au départ, on était ensemble. Mm-hmm. Il y a le gospel, Heidi Gospel Unity, Tambourtier Bondier. On a évolué un beau moment ensemble. Et puis on est là maintenant. Tous unis. On est unis. Ils sont de Saint-Joseph par là, nous sommes sur le nord. Et puis on fait le travail du Seigneur, on commet un corps. D'accord. Alors, monsieur Modésio Willy, il est membre du groupe AYDI, ça se dit comment? Voilà, AYDI, Gospel D'accord. Unity. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il dit, d'accord. Celui qui ne croira pas, il sera sous le jugement de Dieu. Alors donc, et dans l'unité de l'esprit, il faudrait que nous soyons en accord pour aller justement porter cette parole d'amour. Puisque c'est l'amour de Jésus-Christ qui fait qu'il s'est donné à la croix pour nous. C'est un amour incommensurable. Amen. Alors justement, notre groupe existe depuis déjà 23 ans. Ah d'accord. Et on a eu l'occasion déjà de, comme le serviteur Pépin disait, et il y a quelques années de ça, tous les dimanches, on montait répéter avec eux au Morne-Rouge. Et ce, pendant trois ans et plus. Et là, vous êtes plutôt sur Saint-Joseph. Mais là, nous sommes revenus un peu, effectivement, sur Saint-Joseph. Mais nous avons toujours gardé cette fraternité, cette solidarité. Et ça, c'est très important, puisque nous devrions nous donner la main d'association pour pouvoir œuvrer pour que le Seigneur Jésus puisse impacter le monde. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, vous serez tous rassemblés, tous présents pour la manifestation dont on va parler? Eh bien, bien sûr, oui, oui bien sûr. Oui. Nous serons là, puisque on a été sollicités par le révérend, enfin, par la servante là-bas, effectivement, notre sœur Mitraille. Et puis, voilà, donc on s'est dit, mais pourquoi pas, parce que la rue est impersonnelle, donc... la rue, tout le monde peut participer, effectivement, on peut inviter tout un chacun, et nous savons les problèmes qui sont exposés en ce monde. En ce moment, les choses sont de plus en plus difficiles, les gens ont de plus en plus de difficultés, même en Martinique, il ne faut pas que ça soit étonnant, mais il y a des personnes qui meurent de faim. Amen, c'est vrai. Alors donc c'est pourquoi, effectivement, nous voulons leur porter, effectivement, cet amour-là, et puis aussi, non seulement... les nourrir de la nourriture naturelle pour parce que Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous voulons porter aussi le bon message de la parole de Dieu.
D'accord. Amen. Alors, concernant la manifestation dont vous venez nous parler ce soir, justement, tous, il s'agit d'une marche pour Jésus-Christ. Vous voulez nous en parler? Oui, eh bien, c'est une marche pour Jésus-Christ. Et beaucoup se demandent pourquoi une marche pour Jésus-Christ. Comme a si bien dit le frère, ce serviteur, nous sommes portés par la grâce de celui qui nous porte, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est notre bon berger. Amen. Celui qui a amené, qui est prêt à nous conduire, chacun de nous, s'il le veut. Il dit, je suis le bon berger. Celui qui même me connaît et me suit. Et nous, nous faisons tout pour que ça puisse se réaliser. Cette marche, pourquoi? Nous venons de passer un moment vraiment que je dirais, je l'ai vu, de carnaval, de carnavalesque, défoulement, et puis vraiment, certains, ils ont pris plaisir et d'autres, etc. Mais ce que Dieu attendait et nous demandait, eh bien, je n'ai pas vu. Peut-être que d'autres l'ont vu. Et ce qui arrive, nous arrivons maintenant, nous sommes dans les temps de Dieu. Nous sommes dans les temps de grâce. Alléluia. Nous sommes dans les temps de conversion. Alléluia. Nous sommes dans les temps, il faut que nous rapprochions de Dieu. Nous sommes dans les temps, il faut marcher sur la route qui nous conduit à notre Seigneur Jésus. Amen. Et cette route-là, eh bien, nous devons l'entreprendre. Amen. Et c'est là cette marche. C'est une marche à venir à Christ. Alléluia. Dans l'unisson, pas dans la dispersion. Donc c'est un rassemblement pour l'union. Et rassemblement Amen. Pour l'union, parce que la parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide, cette parole de Dieu. Il dit, celui qui n'est pas avec moi, celui qui s'écarte de moi, ça veut dire qu'il divise, il s'éloigne de moi, il divise. Et en divisant, nous faisons l'œuvre de quoi? C'est pas de Dieu. Amen. L'œuvre de l'autre. Et il faut que nous puissions marcher vraiment. Même pas. De commun accord, bien déterminé, avec l'amour qui nous porte chacun de nous. Cet amour, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. D'accord. Amen. Alors, le départ, en fait, aura lieu au Terre Saint-Ville. Oui. Vous donnez rendez-vous à 14h30 pour que les gens commencent à se rassembler. L'heure, vraiment. Mais le départ lui-même? Oui, l'heure donnée, c'est 14h30. D'accord. Vous savez comment que fonctionnent nos compatriotes. Lorsqu'on vous leur donne une heure, oui, il y a l'heure antillaise, il y a l'heure métropole, et puis il y a l'heure internationale. Oui. Eh bien, à l'heure antillaise, c'est une demi-heure, une heure avant. Eh oui. Alors, rassemblement à 14h30, l'heure de départ, c'est à 15h. Eh oui. Lorsqu'on œuvre pour l'Éternel, il n'y a pas d'écart. Avant l'heure n'est plus l'heure, après l'heure n'est plus l'heure. Voilà. Donc, à 14h30, il faut être là. 14h30, le départ à 15h. D'accord. Alors, ça part de Terre-Saint-Ville, la fameuse marche, pour arriver du côté du Malécone, sur le bord de mer, quoi, en fait. Tout à fait. C'est ça. Donc, nous avons un trajet, un beau trajet qui nous a été accordé, de passer où que ça a pris cette marche, donc a pris naissance. Mm-hmm. Quartier de Terre-Saint-Ville. On dit que c'est chaud. Eh bien, pour nous, c'est agréable. Parce que, pourquoi? Parce que nous marchons dans la joie. Avec Christ, nous marchons dans la joie. Alléluia. Nous marchons dans l'allégresse. Il faut que les gens puissent s'afficher et nous voir avec autrement. Gloire à Dieu. Ils puissent voir des serviteurs de Dieu, puissent voir des gens qui veulent. Amen. Parce que si on n'ose pas, on n'arrivera jamais. C'est vrai. Certains philosophes, ils ont dit, oser, c'est déjà gagner. Eh bien, nous avons déjà gagné. En venant à cela, mais en venant encore en plus avec la force qui nous anime, en venant à Christ Jésus. Et être accompagné, nous ne sommes pas seuls. Hein. Attention. Amen. Beaucoup pensent que nous marchons seuls. Ce n'est pas vrai. Les anges sont là. Là où un ou deux se rassemblent, Jésus nous dit, je serai avec vous. Et il est avec nous. Et il marche avec nous. Et nous irons jusqu'au bout. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais fait ce genre de choses et qui, par curiosité, seraient tentés de venir regarder ou essayer de participer. Je leur conseille quand même une petite bouteille d'eau, des chaussures de manche, pas de talons, pas de choses comme ça, pour pouvoir être à l'aise, pas marcher dans la souffrance, pour ne penser qu'à une chose, c'est être dans la joie et puis chanter. Et tout puis, à fait. Oui. Mais nos compatriotes, ils savent s'amuser, ils savent se défouler, ils savent prendre sur eux. Uh-huh. S'ils viennent pour Christ, ils viennent.
Et puis même, sinon rien. Ils vont recevoir une bouteille d'eau. Ils vont recevoir de quoi à se rafraîchir. Voilà, donc ils peuvent venir. Et puis, vous parlez de gens, mais qui viendront par curiosité. Mais Jésus aime la curiosité. Amen. C'est en venant par cette curiosité qu'on vous verrez, que vous trouvez quelque chose. C'est ça. D'accord. Lorsque vous allez chiner, vous allez sur le marché, parfois vous venez, vous regardez par curiosité, et hop, vous tombez sous la perle rare. Eh bien, c'est ça. Peut-être qu'ils vont trouver Jésus sur leur route. Voilà. Alléluia. Et puis voilà, on avancera. Eh oui. Alors, c'est un événement à la base plutôt religieux, mais vous dites qu'en fait, tout le monde est bienvenu. Oui. Écoutez, on parle de religieux. Certes, c'est vrai. Sans des gens qui sont portés par la grâce, sans des gens qui vraiment, qui sont touchés par cela également et qui veulent s'investir. Quelle foi qu'il va les emmener à dire, je vais faire une marche pour Jésus, etc. Vous voyez, nous sortons du carnaval, une marche pour Jésus sur Terre-Saint-Ville, et non sur partout Terre-Saint-Ville seulement. Oui. Ça part du Terre-Saint-Ville, et ça va traverser ville. Les rues de Fort-de-France pour aller jusqu'au Malicorne. Quelle grâce de se retrouver sur cette place du Malicorne où il y a une convergence de gens, où on peut se retrouver à discuter, à parler, et que tous les gens puissent se retrouver. Nous mettons les gens de Caloès, et puis ils vont trouver, je pense que certains trouveront peut-être ce qu'ils cherchaient, à se découvrir, parce que déjà par l'ambiance que nous allons porter, louange, adoration, prière s'il le faut, nous resterons un peu pendant le trajet, à un certain moment, à louer l'Éternel, à l'adorer, tambour, chacha et tout ce qu'il y a. Alors, est-ce que justement les orchestres, il y en a un de vous et de lui, c'est ça, monsieur? Oui. Monsieur Pépin. Oui, alors, il y a l'association Tamboutier-Bondier. Oui. Et puis monsieur Mondésir Willy avec le Gospel Unity. Est-ce que c'est à la, au départ et à l'arrivée, ou est-ce que c'est à l'arrivée que vous allez intervenir? Ben, je pense que ce sera plus à l'arrivée, puisque, en fait, dans ce type de manifestation, c'est un petit peu délicat de porter les tambours, par exemple, hein, par rapport au poids. Oui. Et surtout, ce sera l'après-midi. Oui. Donc, je pense que sur place, c'est ce donc qu'on a. Donc, les gens vont avancer en marchant et en criant, et puis à l'arrivée, il y aura l'orchestre. Voilà. Il y a un camion aussi. Il y aura un camion qui va suivre ou qui. Oui, donc, c'est le groupe, normalement, de BDK. C'est nous qui serons sur le camion, ah ouais, justement pour animer cette marche avec la louange, tout cela. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Alors, vous voulez propager en tout cas un message pour un lever pour Jésus-Christ? Oui, c'est le leitmotiv. On doit réveiller la Martinique. Martinique, lever. On a besoin d'entendre ce cri. On a besoin d'entendre, de voir nos frères, nos sœurs à la Martinique. Les choses ne doivent pas rester figées. Vous voyez les soulèvements partout. Crise sociale, économique. Et puis, tout s'ensuit en ce moment. Il y a le problème des retraites. Vous voyez cette crise. Vous voyez ce qui se passe. Et la solution, eh bien, nous devons également nous réveiller. Nous, chacun de nous, même certains serviteurs de Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas dire que, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu, ils ont leur part, mais il y a certains mais qui ont, ou bien qui n'hésitent pas et qui n'adhèrent pas. Il y a certains qui ont carrément, ah oui, moi, adhérer à une marche pour Jésus, mais tu es quoi? Tu marches comment? Tu vis comment? Mais si tu vis, serviteur de Dieu, tu vis pour Jésus, amen, tu marches avec lui, et puis là, pour te montrer ce que tu es, tu as honte de lui? Eh bien, j'ai dit à un que j'ai pu rencontrer, je dis, si c'est ton comportement, lis la parole, t'as dit, celui qui a honte de moi. Eh bien, au jour J, j'aurai honte de lui. Parce que mon je le dis, toi, tu es qui, je ne te connais pas. Alors là, vraiment, pour toi, je ne crois pas que ce serait bon pour toi. Commence pas à te repentir pendant qu'il est temps, nous sommes dans les temps de carême, et reviens à Jésus pendant qu'il est temps. Amen. Alors la manifestation en question aura lieu le samedi 25 mars, alors il faut bien noter la date pour ne pas se tromper, le samedi 25 mars 2023, bien sûr. Le rendez-vous est donné précisément, on a dit, à 14h30 à Terre-Saint-Ville, avec un trajet vers le Malicorne, et l'arrivée, c'est sous le kiosque, je crois, qui est, tout à fait, qui est sur le Malicorne.
voilà, où il y aura l'orchestre qui va vous attendre. Ça prend beaucoup de temps pour préparer un événement comme celui-là. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qui arrive, si ça prend du temps, mm-hmm. c'est que celle que vous pouvez parler de cela, c'est la servante Monique. Mais cette servante, hein, vraiment, lorsque je vois son investissement au niveau, les contacts et tout, mm-hmm. sans cesse, parfois à prendre 2-3 jours, et puis à m'embrigader également, d'aller vers les services, de comment dire, j'ai vu à l'église, et puis c'est une occasion pour moi d'aller découvrir, d'aller vers mes frères que je ne connais pas. Mm-hmm. Donc, j'étais vers eux, puis je dis, tiens, voilà, et bien, on se connaît désormais, pour le dire, le pourquoi du pourquoi, parce que certains vous disent, donc au téléphone, nous organisons une marche pour Jésus. Et puis, voilà, tout simplement, nous organisons une marche pour Jésus, si tu veux, tu viens, si tu ne veux pas, tu ne viens pas. Mais, ils attendent d'avoir une conviction, être convaincus. Pourquoi ils ont besoin d'entendre quelqu'un? Pourquoi cette marche? Et en venant à eux, nous expliquons le but de cette marche. Ce n'est pas pour notre église évêque, mm-hmm. ni X, mm-hmm. mais c'est pour le peuple de Dieu et c'est pour également la Martinique. Amen. Parce qu'il y a un éveil spirituel. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas quelle tendance, qu'est-ce que vous faites, mais en ce moment, il y a un réveil spirituel donc à la Martinique. Les gens, ils ont besoin. Amen. Et nous sommes dans les temps de carême également. Mm-hmm. Et les temps qui nous amènent à la Pâque. Mm-hmm. Donc nous devons, malgré tout ce qu'on aurait fait, nous sommes obligés de retourner à Dieu. Il nous demande, retournez à moi pendant qu'il est temps. Et c'est une façon pour nous de propager et de dire ce que nous avons à le dire. Voilà. Alors on va faire une petite pause, enfin entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on va vous regarder dans une précédente manifestation. Mmh. On va voir quelques images et puis on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Eh oui. Alléluia, merci. Jésus vini sauver. Sans sa vie à garou Brésil. Sa pa fe yo aye. Non, non, non. J'étais prise de court. Alors, nous avons vu justement quelques images. Alors, on rappelle que le but premier, c'est le rassemblement et l'union des hommes de Dieu. Ça s'appelle la rencontre. Alors, c'est Monique qui, pendant le passage des images, m'a transmis le petit mot. J'ai bien traduit, je pense, Monique. Merci. Alors, on a bien compris, en tout cas, que la marche pour Jésus-Christ dans l'union est ouverte à tous pour la gloire de Dieu. Donc, tous ceux qui veulent participer le peuvent. Il n'y a pas d'inscription, on simplement se présente. Non, 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 tout à fait. Quelles que soient les églises, quels que soient les courants de pensée ou autres, que tu es en Christ ou non, mais tu viens, tu veux participer, viens. Et tu verras, Dieu, il est partout et puis il est avec nous, il est auprès de nous. Donc, à celui qui croit, même s'il ne croit pas, mais qu'il, par curiosité, mais qu'il vienne. Mm-hmm. On reçoit. Loin de là, nous ne sommes pas là pour rejeter, nous sommes là pour nous rassembler. Voilà. Nous sommes un peuple uni au départ. Martinique, marchons dans l'unisson. C'est notre force, d'accord. Oui. Donc votre slogan, en fait, c'est un slogan de ralliement, puisque vous dites sur votre communiqué, en tout cas, tous formant un pour l'éternel, toutes églises, toutes assemblées sont appelées à nous rejoindre.
Tout à fait. Parce que je ne veux pas, comme nous parlons de la marche, mais pas de l'évangélisation, pas surtout de la parole de Dieu. Parce que ce que nous reprenons, c'est ce qui est marqué dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse. Il y a un moment où on se retrouve tout ensemble. Et puis, à l'Église universelle de Dieu, amen, on se retrouvera dans l'unisson. Là, il ne voit pas, je suis là, je suis de tel bord, etc. Tu es en Christ. Lorsqu'il t'appellera, on sera et on fera partie de cette Église universelle pour pouvoir exister, pour pouvoir nous retrouver et puis être porté par la grâce divine. Mmh. À vivre la joie que nous devons retrouver dans cette félicité céleste, qui est la joie de Dieu. Voilà, amen, c'est amen, tout. Amen. D'accord. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec vous, en tout cas avec votre église, oui, alors Monique me fait signe que j'ai son numéro, c'est, non? Donc il va donner le numéro. Il est écrit sur le flyer. La messe. La messe. Alors c'est quoi le numéro de la messe? Alors le numéro de la messe, là, vous c'est pas-dessus, dire, mais c'est sur le numéro de 91-62-94. Alors, donnez-le à haute voix. Alors, il va le donner. Allez-y. C'est le 91-62-94. 91-62-94. Donc, la personne vous appelle. En haut. Oui, c'est en haut de la feuille et du flyer. Et quelqu'un, donc, va forcément vous répondre. Oui. D'accord. Et après, vous êtes reçu, vos locaux sont où? Eh bien, à Fort-de-France. À Fort-de-France. À Pierre-Saint-Ville aussi. Donc, nous avons en soi deux locaux. Ah, d'accord. Donc, à Fort-de-France. Mm-hmm. Nous avons un local qui est au 17 rue Henri Barbus, au Pierre-Saint-Ville. D'accord. Et nous avons l'autre local qui se trouve au 6 rue Bolivar, où se trouve l'église également, ah, où nous recevons également. D'accord. Alors, en tout cas, les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide et tout, il ne faut pas qu'ils hésitent à faire appel à vous, en fait. Attention, il n'y a pas de sous, hein. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais vous pouvez aider les gens à remplir des dossiers, justement, peut-être à ce moment-là, pour obtenir des voilà, aides. Voilà, il n'y a pas d'aide pécunier, mais éventuellement... Puisque M. Modési Willy disait qu'il y a des familles, quand même, ici, qui avaient faim. Non, oui. Ces gens-là, s'ils viennent à nous, quels qu'ils soient, ils ne partiront sans rien. Amen. Ils partiront amen, avec amen, un panier, ils partiront avec de quoi à pouvoir subvenir, même un jour, deux jours, trois jours, etc. D'accord. Mais on peut, dans des cas vraiment extrêmes, si on trouve une sœur, un frère en grande difficulté, précarité, et qui sera amené à être dehors, là, aujourd'hui, et on peut faire quelque chose pour bloquer, qu'on peut lui accorder le temps que ses papiers puissent être régularisés dans deux, trois mois. Si on peut l'aider, même sans que moi, on le fera dans la mesure de nos possibilités. Tout à fait. Mais nous ne sommes pas un service social, oui, donc sûr, avec tout ce qu'il y a, et oui, puis que les gens viennent, et puis voilà, et puis pour se servir, non. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la solitude, qui a besoin de discuter, qui a besoin d'être entendu. Tout à fait, on reçoit justement beaucoup de gens ici, des gens qui viennent même pour prier, ou bien qui ont besoin de contact. Serait-ce que un contact en disant « je m'ennuie, je n'arrive pas à dormir », et puis vous dites « ah, la prière, pas trop, mais j'ai besoin de m'ouvrir à la parole, de pouvoir converser, de pouvoir dialoguer », eh bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, il me semble que la dernière fois que je vous ai reçu, révérend pasteur, c'était pour un spectacle de gospel, je crois. Il y avait une manifestation. Nous avons la marche également, où nous sommes exprimés également, beaucoup sur Tessinville, à nous ouvrir aux gens de qui a parlé. Et c'est ce qui nous a encouragé encore de venir de cette année, de nous ouvrir encore. D'accord. Voyez cette marche. Donc vous faites une manifestation par an ou plusieurs? Et de la façon que c'est parti, je pense que nous allons vers une marche internationale pour Jésus-Christ. Parce que déjà, c'est déjà une marche internationale. Qu'est-ce que nous trouvons sur la Martinique? Nous avons, certes des Martiniquais, mais nous avons des frères d'Haïti, frères et sœurs d'Haïti, des frères et sœurs de Sainte-Lucie, des frères et sœurs de la Dominique. Nous avons beaucoup d'Hispaniques et tout, mais qui viennent à Christ. Eh bien, tout ces, vous voyez, donc ça a une autre connotation déjà. Et puis une ampleur. Donc ce sera bientôt une marche internationale. Et cette marche, ce sera, c'est pas uniquement que nous, à Metz, puissions avoir le monopole. Loin de là, il faut que
tout soit délaissé, que chacun puisse prendre en soi. Sur chaque commune de la Martinique, organise sa marche. Et puis, s'il le faut, qu'on puisse retrouver un jour, prendre une convergence à tel endroit, pourquoi pas, au Lorrain, au Mont-de-Rouge, à Grand-Rivière, et puis, etc. Eh bien, on se retrouvera ensemble. D'accord. Voilà. Donc déjà, là, on va commencer par le 25 mars, samedi 25 mars, on se retrouve à Saint-Villain, voilà, à 14h30. On va regarder encore quelques images. Merci donc pour ces images. Donc je rappelle que ce soir, j'ai reçu plusieurs pasteurs pour une marche qui est organisée le samedi 25 mars, qui va partir de Terre-Saint-Ville. Le point de rendez-vous à Terre-Saint-Ville, c'est en face de l'église, je crois. Oui, à la place... À la place Grégoire. En face de l'église. En face de l'église, voilà. Donc à 14h30 pour un départ à 15h, alors soyez ponctuels. Mmh. Et que l'arrivée se fera sur le Malécone. Sur le kiosque, enfin là où il y a le kiosque sur le bord de mer, voilà. Voilà. Alors j'ai reçu aujourd'hui donc le révérend pasteur Jean Valentine. Est-ce que vous avez un petit mot à nous ajouter? Oui, c'est que nous avons d'autres serviteurs et d'autres églises également qui se sont associés et d'autres courants de pensée également qui se sont venus à nous pour cette marche. Même des gens de la religion juive. Qui nous supporte, mm-hmm, en disant ce que vous faites, eh bien c'est bien de vous investir et puis de vous ouvrir comme cela. Mm-hmm. C'est bien que la Martinique puisse s'ouvrir aux autres. Et nous avons également, là nous sommes quelques serviteurs, ceux qui ont pu, etc. Et puis sur le plateau, mm-hmm, on ne peut pas accueillir tous les serviteurs, oui, hein, et qui doivent participer. À moins qu'il y ait une deuxième émission, une troisième émission bien avant, eh bien, ce serait formidable. Bon, mais ils ne sont pas oubliés. Je parle à mon serviteur Bapté, ou bien Thierry, qui n'est pas là en ce moment, ou d'autres, etc., qui devaient être là auprès de nous. Eh bien, ils ne sont pas là. Mais qui seront présents autres... le fameux samedi en question. Comment? Oui, mais on se retrouvera ce samedi. Oui. Pour l'éternel. Oui, et puis voilà. Et tous ceux qui hésitent, ou bien... qui sont indécis dans ce que... et puis qui se posent des questions. Ne vous posez pas de questions. Venez à l'Éternel. Venez participer. Venez à lui. Venez prendre votre part. Efforcez-vous de conserver l'unité de Dieu. Il te dit, l'unité de Dieu se construit dans la musique, dans la joie. Il le dit, hein, tout simplement. Eh bien, pour nos serviteurs, eh bien... ils n'ont qu'à prendre le psaume 59, verset 17. Je chanterai, il dit à l'Éternel, tous les jours, et puis, pour ta gloire. Eh bien, l'Éternel vous attend. Venez. Voilà. Vous allez tous chanter à l'unisson. Et voilà. Amen. Nous devons être unis. Mm-hmm. Ce n'est pas pour... nous ne voulons pas que chacun, quel que soit, dès qu'on se rassemblera, qu'on se retrouvera, sur la place, on sera unis. Amen. Voilà. Voilà. Alors, Monique Poul, qui tient à ce qu'on dise pour la gloire de Dieu. Et tout cela, nous le faisons, comme dit la servante, c'est vrai. Nous ne faisons rien pour nous.
pas pour nous réjouir, pas pour notre ego. Non, nous faisons cela pour la gloire de Dieu. Autrement, comme je l'ai dit au départ, on ne le faisait pas. Si nous n'avons pas la foi en celui qui nous porte, eh bien, on ne serait pas là à parler de cette marche, ni à nous investir. C'est par la gloire que nous marchons. Parce que nous voulons glorifier celui qui nous porte. Nous voulons glorifier celui qui, vraiment, qui prend soin de nous, chacun de nous, et qui nous porte au plus profond de son cœur, et qui nous suit encore jour et nuit. Amen. Que la parole de Dieu nous dit, celui qui nous porte et qui nous aime, que nous voulons glorifier, lui qui ne dort et ne sommeille, qui tient à nous, et nous faisons quoi? D'accord. Alors, on va passer la parole au pasteur Login. Oui, donc comme disait le pasteur Valentine, donc venez, venez louer, venez glorifier, adorer Jésus-Christ avec nous. Venez, vous allez certainement recevoir une grâce de Dieu. Vous allez recevoir même une parole de consolation, de guérison, de délivrance à travers même les chants. Voilà, donc nous allons vraiment louer le Seigneur Jésus-Christ avec les instruments de chez nous. Voilà, donc vous connaissez les instruments de chez nous et aussi les instruments d'ailleurs. Donc ce sera un moment formidable pour tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui cherchent Dieu aussi, ceux qui cherchent vraiment une réponse aussi à leurs questions. Ce sera un moment aussi de trouver Jésus, de trouver vraiment la présence de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même à travers la louange, Dieu parle. Donc venez, venez afin de participer avec nous. Et certainement, vous allez recevoir quelque chose. Non seulement vous allez recevoir quelque chose, mais vous allez surtout recevoir Jésus-Christ. C'est ça. Et le but, comme le pasteur disait, le but de cette marche aussi, c'est de pouvoir rassembler les chrétiens, rassembler les frères et sœurs. Jésus-Christ a prié pour l'unité de l'Église. Amen. Il a prié pour que nous soyons un. Unis. Dieu vient, Jésus vient rechercher une Église unie, pas une Église divisée. On ne fait pas de publicité, de dénomination, ce n'est pas pour ça. Le but de la marche, c'est pas faire de la publicité pour une Église, mais c'est faire la publicité de Jésus. Amen. Faire la publicité du royaume de Dieu. Faire la publicité de l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre. Alors nous vous attendons tous ce jour-là. Venez nombreux, invitez vos amis, vos familles, vos voisins, et vous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Alors en coulisses, nous avons le pasteur Franck Pépin, que je remercie pour sa présence. Et à côté de moi, j'ai donc son frère Dominique Pépin, président de l'association Tamboutier Bon Dieu du Morne-Rouge. Alors, oui. Si vous pouvez nous dire un petit mot aussi. Eh bien, ce que je veux dire à toutes les bien-aimées, c'est que Jésus-Christ a fait du bien, a touché, parce que nous savons d'où il nous a enlevés et d'où nous allons maintenant. Et si à cette marche-là, c'est une bonne occasion de s'unir de même cœur pour donner gloire à Dieu. Non pas donner gloire à l'homme, mais donner gloire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est ça la vision. La vision, c'est ce que Dieu est et ce qu'il a fait de nous, son peuple. Et si nous nous unissons de même cœur pour faire marcher pour Jésus, c'est avec joie que nous le faisons. Parce que nous savons qui nous étions et ce qu'il a fait de nous. Et que maintenant, nous appelons tous nos frères, nos sœurs, de s'unir avec nous pour aller dans cette marche pour donner gloire à Dieu, pas donner gloire à l'homme, mais pour donner gloire à Dieu, ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous. Alors que je vous invite à tous de venir, parce que le frère a parlé, justement, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Dieu va faire par la disposition des cœurs. C'est ton cœur. Si tu veux rencontrer Jésus, si tu veux trouver Jésus, ce jour-là, tu vas le trouver. Si tu veux qu'il ait une guérison, ce jour-là, tu vas le trouver. Parce que c'est l'état de ton cœur qu'il regarde. Et Dieu va agir par la louange, par les chants, par la prière, parce que tout sera là ce jour-là. Ce jour-là que nous allons marcher, tout sera en place. Et le Saint-Esprit fera avec nous ce qu'il doit faire, et vous allez trouver votre part, si vous cherchez Dieu. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez le trouver. Et si vous avez besoin de délivrance, guérison, quel que soit ce que vous avez besoin, le Seigneur, il est là dans cette marche, vous allez trouver ce que vous cherchez. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre et vous attester que venez avec nous, ne restez pas chez vous. Si vous voulez rester chez vous, priez pour nous, c'est encore l'unité. Hein? Peut-être que vous avez mal aux pieds, vous restez à la maison, mais vous priez pour vos frères dans la rue. C'est encore mieux. Alléluia, là nous sommes unis.
Nous voyons l'unité, parce qu'il y en a qui intercèdent, il y a des intercesseurs qui prient pour les hommes de Dieu. C'est mieux, c'est, là c'est l'unité, tout cela c'est l'unité. Vous voulez jeûner, jeûnez pour cela, c'est bien. Dieu prend plaisir, amen. Eh bien, je vous invite ce jour-là de venir avec nous, et vous n'allez pas regretter ce jour-là. Vous allez dire, ah, il faut le recommencer. Vous allez dire, ah, mais il nous faut refaire cela tous les jours. C'est cette joie-là que vous allez retrouver ce jour-là. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié dans ce moment que nous allons passer. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Alors, merci Dominique Pépin. On va passer au prédicateur Mondésir Willy. Eh bien, voilà. Donc, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que mon frère, il se trouve à Cuba en ce moment. Et c'est lui qui est le pasteur principal du lieu là où je me rassemble. Et donc, à Saint-Joseph, donc, voilà. Et il n'est pas présent. Pourquoi ? Parce qu'il a été invité par le ministère, effectivement, de la culture à Cuba. D'accord ? D'accord. Donc, pour mettre les choses en place, parce que c'est quelqu'un qui aime quand même la musique, les louanges qu'il reçoit du Seigneur, il veut que ça ait un certain niveau. Mm-hmm. Alors, par rapport à ça, il est là, et puis pour régler plusieurs d'autres choses. Et puis, de toute manière, il a un message fort pour le peuple de la Martinique, hein, sachant que, justement, Jésus aime tout un chacun et souhaiterait que tout un chacun soit sauvé. Ah, ça, c'est très important. Amen. Et donc, le 25, là, si Dieu veut, la parole de Dieu déclare qu'il n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. D'accord ? Donc, peut-être qu'une personne sera invitée par une autre personne. La personne dit, bon... Je suis venu par curiosité. Eh bien, justement, c'est par curiosité que le Seigneur a besoin de faire son travail. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce que auparavant, j'étais un carnavalier. J'étais dans la rue. Je faisais de la percussion. On avait un groupe qui s'appelait à l'époque Ça, ça y est ça. Donc, on connaît l'histoire de la rue. On connaît ça bien. Donc, ce qui veut dire que Jésus nous a dit que tout le talent que je vous ai accordé d'avoir, tout ce que je vous ai donné, de ne pas le mettre au profit de Satan le diable. Et c'est pour cela que Dieu nous a enlevés dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, nous le louons par la musique, effectivement, la percussion. Et quand nous louons Dieu comme ça, les gens sont bénis. Amen. Les gens sont touchés. Alléluia. Les gens, ils pleurent parce que le Saint-Esprit les visite. Amen. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, en tout cas, pour ce jour-là, nous souhaitons à la rigueur que si toute la Martinique pouvait descendre, ce serait bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. C'est que nous sommes dans un temps où les choses deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Parce que Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des jours, derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront irreligieux, fanfarons, blasphémateurs, ennemis de gens de bien, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, justement, il permet que nous puissions nous détendre. Mais dans un bon esprit, amen. Un esprit de sainteté, c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Merci. Donc ce Dieu-là, il nous aime tant. Et si les gens, le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Si le peuple connaissait qui était Dieu, il n'allait pas voir les sorciers. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, en tout cas, oui. Nous souhaitons que ce moment se passe de manière agréable. Le pasteur Jean et la sœur effectivement, Monique effectivement, là-bas, et puis les frères, les serviteurs de Dieu qui sont là, nous croyons que nous allons passer un agréable moment devant amen, Dieu. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Et ce jour-là, nous allons frapper pour l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu a besoin de bénir la Martinique. Alléluia. Délivrer la Martinique. Amen, amen, amen. Ben, merci beaucoup à tous d'être venus. Je rappelle que de toute façon, je reçois tout le monde. Il n'y a aucun souci pour ça. D'accord. Et donc, rendez-vous le samedi 25 mars, on le répète encore, donc à Terre-Saint-Ville, à 14h30, point départ à 15h, pour une marche à la gloire de Dieu, donc avec tous les pasteurs que nous avons ici et ceux qui sont absents. On pense à tout le monde. Et puis, à une prochaine fois. Amen, au revoir. Amen. Word chemistry, hippie sexy nerd ministry.
them listen when they witness me. Beautiful, I will be older. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want to fidget, fidget.